Le Citral voit loin 2030, voire 2050. Fouzia Bouzerda, sa présidente, a dévoilé aujourd'hui les gros chantiers à venir et les pistes étudiées, certaines lancées dans les prochaines années. Nouvelle ligne de métro E. On a concerté sur une prochaine ligne de tramway sur T6 Nord, puisqu'on vient d'inaugurer T6 Sud. Côté métro, donc, la ligne E relierait d'abord Pardieu à Alaï, dans l'ouest lyonnais, avant d'être prolongée jusqu'à Bron, Port des Alpes. Le Citral imagine aussi le prolongement de la ligne B au nord jusqu'à Rieux et au sud après les hôpitaux. La ligne A, elle, pourrait aller jusqu'à Mézieux. Mais d'autres projets plus originaux sont aussi à l'étude. La construction de téléphériques urbains pour relier Francheville au stade de Gerland, par exemple, mais aussi des navettes fluviales. Oui, on peut imaginer, puisqu'on a, on l'a aussi étudié. On a étudié deux liaisons, une sur la Saône, une sur le Rhône. Alors avec des cadences et en tout cas des vitesses qui permettent pas d'aller très vite comme en voiture. Mais par contre, quand on est congestionné dans sa voiture en circulation, bah parfois on va plus vite, de manière plus paisible, effectivement, sur une voie fluviale. Mais aller au travail en bateau à Lyon, ce n'est pas encore pour demain. C'est aux élus maintenant de décider quelles sont les priorités et les travaux à réaliser. Et ce, après les élections de mars 2020.